Voilà, écoutez, les deux minutes se sont écoulées. Je vous propose de débuter. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je me nomme Ghislain Montavon et je suis le directeur de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Tout d'abord, bienvenue parmi nous. Et merci d'avoir répondu à l'invitation à nous retrouver à l'occasion de ces journées portes ouvertes. Et merci pour l'intérêt que vous montrez pour l'établissement et pour ces formations. Alors, vous venez aujourd'hui pour collecter, je n'en doute pas, le maximum d'informations et avec quelques questions. Quel type d'ingénieur est formé à l'UTBM, par exemple? Comment intègre-t-on l'UTBM, j'imagine? Qu'est-ce que l'UTBM en tant que tel? Quels sont les moyens? Pourquoi choisir l'UTBM ou l'Université de technologie par rapport à d'autres établissements, etc., etc. Alors, vous avez... Je n'en doute pas, d'ores et déjà pu collecter un certain nombre d'informations. Je vais revenir sur l'ensemble de ces points et de vous proposer eh bien, de balayer, d'avoir un aperçu à 360 degrés de l'établissement et d'essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Alors, pour le faire, je vous propose de procéder suivant trois séquences. La première séquence... proposé de partager avec vous. Il dure 3 minutes. C'est le film institutionnel de l'établissement. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu sur les réseaux. Pourquoi le proposer? L'intérêt ici est peut-être de vous permettre d'avoir une visite éclair de nos trois campus, dès lors que nous sommes implantés à Belfort, à Sevenan et à Montbéliard, avec différentes formations sur ces campus. Permet également de pouvoir visualiser un certain nombre de moyens pédagogiques et de moyens que nous avons dans nos laboratoires de recherche également, puisque l'UTBM est un établissement d'enseignement supérieur, donc de formation et de recherche, donc conduisant un certain nombre d'activités de recherche. Ce sont nos enseignants-chercheurs. La deuxième séquence, eh bien, j'utiliserai un support, je reprendrai la parole si je puis le dire, et de pouvoir partager, donc ainsi que je le disais, quelques éléments, des focus sur quelques éléments saillants hein, concernant l'UTBM. Et puis, quant à la troisième séquence, eh bien, je vous en reparlerai. Il y a beaucoup de place. Si vous souhaitez, je m'adresse aux personnes qui sont au fond de l'amphithéâtre, de ne pas hésiter de s'installer. Donc, voilà un petit peu le menu que je vous propose cet après-midi. Et puis, je vous propose de débuter sans plus tarder par la première séquence. C'est donc le film institutionnel, ce qu'il faut essayer de décrypter et de regarder, les différents campus et les moyens dont dispose l'établissement pour opérer ses missions. Et je vous dis à tout de suite donc. We'll be right back.
Voici pour une visite accélérée de l'établissement, de quelques-uns des moyens. C'est ce que nous essayons de faire transparaître au travers de ce film, également notre identité. Et si je devais la définir en quelques mots, et même en un mot, je dirais la technologie, toute la technologie, rien que la technologie, c'est le positionnement de l'établissement. Mais il va falloir qu'on s'explique, et j'explique ce que l'on entend par la technologie. La technologie au singulier et non pas les technologies ou l'adjectif technologique qui renvoie plutôt aux techniques de pointe, alors que la technologie est beaucoup plus que cela. Et je vais m'attacher à le partager et d'essayer de l'expliciter. Allez, je vous propose d'aller à rebours d'une formation d'ingénieur. Et on imagine, voilà, pour l'ensemble des diplômés d'ingénieurs, après 3 ou 5 ans d'études dans l'établissement, eh bien, trouvent un emploi en 3 ou 4 semaines. C'est la moyenne. Il y a une très forte employabilité pour les ingénieurs en France. Et même 50% d'une promotion, nous diplômons 550 à 600 ingénieurs chaque année. Eh bien, la moitié de la promotion a trouvé déjà un emploi avant même la fin des études et déjà signé un contrat d'embauche en fait avec une entreprise. C'est un premier indicateur. Deuxième indicateur, je ne sais s'il a du sens ou un sens primordial, mais en tout cas, la rémunération moyenne annuelle à la première embauche pour les diplômés de l'établissement, c'est issu des enquêtes, est de l'ordre de 38 000 euros annuellement. Et on note une progression de l'ordre de 20%. C'est une moyenne, donc il y a des différences après, bien entendu, mais une progression de l'ordre de 20% de cette rémunération au regard après 3 années d'expérience dans l'entreprise. Un élément, et j'y reviendrai plusieurs fois lors de mon propos sur la dimension internationale, mais de repartager également avec vous qu'un diplômé sur 5, et quand on pense 600 diplômés chaque année, cela représente une fraction importante. Donc 20%, en d'autres termes, des diplômés trouvent un premier emploi à l'international. Formation d'ingénieur à la française, si je puis le dire ainsi avec des guillemets, eh bien s'exporte bien. Et de toute façon, pour celles et ceux d'entre vous imaginant, se destinant à devenir ingénieur, on ne peut pas concevoir le métier d'ingénieur, les métiers, dois-je dire, d'ingénieur, puisqu'ils sont très divers, sans cette dimension internationale. Mais nous avons 20% de nos diplômés qui trouvent un premier poste à l'étranger. Alors, l'étranger ne commence pas très loin d'ici, à 20 km à Adel, la frontière avec la Suisse. Mais ne pas vous laisser penser que 20% partent en Suisse, c'est vraiment le grand international. Amérique du Nord, beaucoup, pour des informaticiens et mécaniciens, c'est Singapour, Kuala Lumpur, l'Australie. Enfin, nous avons des diplômés, j'allais dire, dans le monde entier. Voilà, trois indicateurs choisis pour les diplômés. La condition préalable pour être diplômé, eh bien, c'est d'intégrer l'établissement, de bien entendu, et de vous devoir le langage de vérité. Le langage de vérité, c'est que les formations à l'UTBM sont sélectives. C'est le cas dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs. Elles sont sélectives et en fonction du niveau d'entrée de formation, est-ce que c'est post-bac, est-ce que c'est bac plus 2, en fonction des spécialités, nous retenons une candidature sur 10 à 15 candidatures. Alors pourquoi cette sélectivité ? C'est vraiment le langage de vérité. S'intégrer et débuter, s'inscrire dans une formation d'ingénieur, je vais prendre une analogie sportive, mais c'est de se préparer à courir le marathon. Et nous ne voulons pas faire de fausses promesses aux étudiantes et aux étudiants, de fausses promesses, donc de s'assurer, j'allais dire, voilà, qu'il y a un certain nombre d'aptitudes, a priori, au départ, pour pouvoir courir ce marathon, et puis maximiser la réussite étudiante, de bien entendu, c'est l'objectif, donc de pouvoir accompagner les personnes jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, tout le monde n'arrive pas également, en toute transparence, tout le monde n'arrive pas à franchir la ligne d'arrivée. Et au fur et à mesure du cursus, eh bien, il y a des échecs. Des échecs pour les personnes, c'est aussi un échec pour nous. C'est un petit peu moins de 1% des personnes qui sont intégrées qui ne seront pas diplômées pour un certain nombre de raisons. Mais on préfère faire la sélection au départ. Une fois encore, pour ne pas donner cette fausse promesse, et puis d'emmener
le plus grand nombre et au maximum jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors les critères de sélection à l'UTBM et chez les universités consoeurs que sont Troyes et Compiègne, il y a une sélection à l'entrée, mais on ne procède pas à l'élection, à la sélection, excusez-moi, j'allais dire au travers d'une épreuve de mathématiques ou d'une quelconque épreuve. En d'autres termes, on ne mesure pas comment la tête est remplie, mais on essaie de mesurer, d'estimer comment la tête est faite. On cherche à avoir des têtes bien faites, équilibrées, et puis c'est aussi notre mission de les remplir, si je puis prendre cette image un petit peu réductrice, de les remplir tout au long du cursus. Donc on va s'attacher à d'autres éléments. Bien entendu, on regarde les résultats sur les formations antérieures. Au lycée, si c'est une entrée post-bac, ou j'allais dire le classement classe prépa, ou DUT, BUT par exemple. Mais on va attacher une grande importance à la lettre de motivation. Et cette lettre de motivation vise à... On essaie de déceler les motivations pour lesquelles la personne souhaite devenir ingénieur. Et quel est le projet professionnel qui se cache derrière la motivation? Je vous rassure, on peut évoluer au cours des études dans son projet professionnel, c'est bien normal, donc on ne signe pas pour un projet professionnel à l'entrée, mais en tout cas, estimer s'il existe un réel projet professionnel. Et ce projet professionnel, ou dans cette lettre de motivation, d'essayer de répondre à la question suivante, et à d'autres bien sûr, mais en tout cas de déceler celle-ci, quelles sont les raisons qui me poussent à déposer un dossier de candidature et à devenir ingénieur? Les réponses sont multiples et variées. Il n'existe pas de bonnes réponses, il existe deux mauvaises réponses. Je vais les partager avec vous. Première mauvaise réponse, je souhaite devenir ingénieur parce que mes parents souhaitent que je devienne ingénieur. Ce n'est pas une motivation suffisante pour se lancer dans un marathon. Mais si je l'évoque explicitement, c'est que nous trouvons parfois dans des éléments qui indiquent très explicitement ce type de motivation. Je peux comprendre la motivation des parents, bien entendu, mais en tout cas, ce n'est pas une bonne réponse. Et puis l'autre mauvaise réponse, si je puis le dire ainsi, je souhaite devenir ingénieur pour m'acheter, je mets des guillemets, le statut social qui est associé au métier d'ingénieur. Il en existe un, les rémunérations ne sont pas ridicules, mais là encore, ça ne peut pas consister en un élément de motivation suffisant pour devenir ingénieur et puis se lancer dans ce marathon que sont les études d'ingénieur, qui sont très exigeantes dans la durée. Il existe après de multiples autres motivations. Nous cherchons à déceler le projet professionnel. Et pour quelles raisons? À l'UTBM, c'est le cas également dans les deux autres universités de technologie, nous n'avons pas de cursus prédéfini, préétabli. On va mettre tout le monde sous la même jauge et puis tout le monde va faire le même cursus. Il y a possibilité de personnaliser, et c'est des possibilités chaque semestre, de personnaliser le cursus avec des règles, ce n'est pas, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais en tout cas de choisir ces enseignements et de les choisir eh bien, avec pertinence au regard du projet professionnel. Et s'il n'existe pas de projet professionnel, comment faire semestre après semestre pour identifier les enseignements que l'on va suivre? Ça a plusieurs implications. Nous sommes semestrialisés, j'ai prononcé le terme. Cela veut dire que nous avons deux emplois du temps tous les ans, que nous adaptons les emplois du temps en fonction des choix des étudiantes et des étudiants. Donc on commence le semestre, tout le monde ignore l'emploi du temps. Il est construit très vite pour répondre au mieux, j'allais dire, aux souhaits. C'est notre maquette pédagogique. Une autre conséquence, il n'existe pas de classement. La notion de classement n'existe pas à l'UTBM puisque tout un chacun suivra un cursus qui sera différent, plus ou moins différent, j'allais dire, d'une personne à une autre. Donc les notions de classement n'ont absolument aucun sens. Troisième élément, il n'y a pas de notion de redoublement. On ne redouble pas à l'UTBM. On poursuit sur son cursus semestrialisé. Quelques personnes ont droit à faire un semestre supplémentaire parce qu'elles n'ont pas atteint
les minima requis pour être diplômé. Mais on ne redouble pas une année, comme dans d'autres écoles, examen de fin d'année, et puis on a un ticket pour reprendre à l'identique une année. Non, on continue à acquérir des compétences, on ne redouble même pas un enseignement. On va acquérir des compétences, dans d'autres, les mêmes compétences, mais au travers d'autres types d'enseignement, puisque ce qui compte au final, c'est un petit peu les connaissances, mais c'est surtout les compétences qui sont acquises. Qui doivent être acquises et elles sont très, très variées. J'ai insisté, je me suis arrêté quelques instants sur ce projet professionnel, mais c'était vraiment pour vous dire pourquoi nous cherchons à détecter dans cette lettre de motivation l'existence d'un projet professionnel, une fois encore qui peut varier et mûrir au long du cursus. Tout cela est bien normal et même très normal, mais en tout cas qu'il y ait décelé, est-ce qu'il y a eu cette réflexion initiale. Quelques mots également sur l'établissement, sur l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. En taille, il existe 204 écoles d'ingénieurs dans le pays, avec de multiples statuts, des écoles privées, des écoles publiques, d'une part, des écoles en 3 ans, des écoles en 5 ans, d'autre part. En termes de taille, eh bien, l'établissement figure parmi les 10 écoles les plus importantes, écoles d'ingénieurs les plus importantes du pays, en diplômant 550 à 600 ingénieurs chaque année. Nous sommes une école publique et nous sommes une école à la fois en 3 ans et à la fois en 5 ans, puisqu'il y a deux voies d'accès sur la formation d'ingénieur, post-baccalauréat, et puis à l'issue d'un premier diplôme dans l'enseignement supérieur, une classe préparatoire aux grandes écoles, un DUT-BUT. Plus marginalement, je dois le dire, mais nous avons des élèves à l'issue d'un BTS, à l'issue d'une licence. Voilà, il y a de multiples passerelles et de multiples possibilités pour rejoindre l'établissement. Et avec deux rentrées universitaires chaque année, l'essentiel des primo-entrants dans l'établissement arrive au mois de septembre. Mais au mois de mars, qui marquera la rentrée du semestre de printemps, eh bien, nous avons des étudiantes et des étudiants également qui vont nous rejoindre. Donc nous intégrons tous les 6 mois, et soit à l'issue du baccalauréat, une fois encore, ou à l'issue d'un premier diplôme dans l'enseignement supérieur, bac plus 2, bac plus 3. J'ai déjà évoqué l'international, en tout cas en effleurant et en disant le métier d'ingénieur, il y a une dimension de fait à l'international. C'est un point qu'on cherche à cultiver particulièrement à l'UTBM, nous semble important. Je voudrais partager avec vous quelques indications. On va dire déjà l'international, on le vit au quotidien dans l'établissement, puisque 20% des étudiantes et des étudiants ne sont pas ressortissants nationaux, mais ont d'autres nationalités. Et nous décomptons 67 nationalités étrangères dans l'établissement. Si vous rajoutez la nationalité française, cela fait 68 nationalités au sein de l'établissement. Un établissement de relativement petite taille, puisque nous décomptons 2700 étudiantes et étudiants, et c'est une vraie richesse au quotidien. L'international accompagne l'intégralité du cursus. Et il existe par ailleurs ce que nous appelons des quitus pour être diplômé ingénieur. Quitus, il faut, alors pour obtenir le diplôme, bien entendu, satisfaire au cycle académique, mais il y a des conditions supplémentaires, et deux de ces conditions sont en lien avec l'international. Première condition, avoir un niveau minimum en langue anglaise sanctionné par un examen international. Pas de niveau minimum, pas d'examen. C'est très direct et immédiat. Pour quelle raison l'anglais, la langue internationale, en particulier en ingénierie, et comme les métiers de l'ingénieur se conjuguent à l'international, il y a nécessité, obligation de maîtriser l'anglais. Ce n'est pas la seule langue qui est enseignée. Nous encourageons les étudiantes et les étudiants à bien maîtriser une deuxième langue étrangère et avoir des rudiments dans une troisième langue étrangère. J'y reviendrai d'ici un instant. Et puis l'autre condition nécessaire pour être diplômé est d'avoir une expérience d'au moins 6 mois à l'international, soit au sein d'une entreprise dans le cadre des stages longs qui sont obligatoires dans le cursus, soit un semestre d'études à l'étranger dans l'une des universités partenaires. On en décompte de l'ordre de 240 à l'UTBM. En Europe, mais également au grand international. Et pourquoi c'est de s'exposer, enfin de, de,
dans le cadre de ses études, eh bien, d'avoir cette expérience, de vivre cette expérience de l'ailleurs. Et l'ailleurs est quand même voisin du nôtre. Hein. On habite sur une toute petite planète. Elle ne fait que 13 000 km de diamètre. Par contre, elle est diverse et c'est d'avoir la pleine préhension de cette diversité. Et donc, second quitus sur la dimension internationale, et je dis voilà, 240 universités partenaires dans le monde. On enseigne 8 langues, j'ai évoqué l'anglais. Nous enseignons également l'allemand, nous enseignons l'espagnol, nous enseignons l'italien, nous enseignons le chinois, nous enseignons le japonais, nous enseignons le coréen. Et nous enseignons le français langue étrangère. Dès lors, vous vous rappelez, 20% des étudiantes et des étudiants viennent d'ailleurs. Et donc, l'anglais est obligatoire. Et puis après, la possibilité de choisir dans ces langues-là. Et beaucoup de nos enseignants sont natifs dans ces langues-là. Et au travers de l'apprentissage de la langue, c'est aussi la connaissance du pays, de toucher sa culture, des éléments de géopolitique, de son économie. C'est de s'approprier, on va dire, toute la richesse d'un pays ou d'une zone géographique dans le monde, au-delà de maîtriser la grammaire et le vocabulaire de cette langue. Et puis un dernier point, pour être très long sur l'international, mais de repartager également avec vous, il y a un petit morceau du TBM en Chine, à Shanghai, puisqu'avec les 3 universités de technologie, Compiègne et Troyes, nous opérons depuis très longtemps, depuis 2005, un institut franco-chinois d'enseignement supérieur. Et nous formons des ingénieurs en Chine, ressortissants chinois, mais c'est également la possibilité pour nos étudiantes et nos étudiants de partir 6 mois à Shanghai, de partir pour les départs les plus précoces, c'est 18 mois après le baccalauréat. Et donc là, nous avons un départ des étudiantes et des étudiants vont partir d'ici 15 jours à Shanghai, et des enseignants des 3 universités de technologie les rejoignent sur place pour les accompagner, délivrer des enseignements. Ce qui est important sont les enseignements. Le fait de faire à Shanghai, eh bien, c'est de pouvoir avoir cette expérience internationale et en particulier à Shanghai, de se rendre compte d'un certain nombre de dynamiques qui existent là-bas et qui n'existent pas nécessairement ici. Un mot également, ce sont des focus que je vous propose sur les formations d'ingénieurs. Nous proposons 9 formations d'ingénieurs. 5 d'entre elles sont accessibles sous statut étudiant, la voie initiale, c'est parfois on l'appelle ainsi. Et 4 de ces formations d'ingénieurs sont accessibles par la voie de l'apprentissage et vont couvrir, mais je ne doute pas, vous le savez déjà, on va dire sur les grands domaines de ces formations d'ingénieurs, la mécanique et à peu près tout. Décrire toute la chaîne de valeur de la mécanique, l'énergie et puis l'informatique. Donc ça représente ces 9 formations. Ces formations sont bien sûr accréditées, c'est un titre national qui est délivré, le titre d'ingénieur accrédité par la commission des titres d'ingénieur. Et nous remettons régulièrement, si je puis le dire trivialement, en jeu nos titres d'ingénieur. Donc nous sommes expertisés à intervalles réguliers. C'était au mois de mars dernier, mars 2023. Et donc nous avons renouvelé nos accréditations pour la durée maximale possible de ces accréditations. Et nous avons renouvelé également un label qualité européen qui s'appelle le label EURACE. Et qui associe à chaque formation et qui permet, en tout cas en Europe, de positionner notre formation d'ingénieur par rapport à d'autres types de formations qui peuvent exister. C'est voilà, une marque de la qualité et c'est très compréhensible, j'allais dire, dans d'autres pays d'Europe, de dire cette formation est labellisée EURACE. Je vous expliquais qu'un diplômé sur 5 commençait sa carrière à l'international. Alors, ne fuyez pas, ne partez pas, s'il vous plaît. Le schéma est compliqué, mais on va essayer de le décrypter. C'est le schéma qui synthétise vraiment le cursus à l'UTB, mais les possibilités. Une clé de lecture de ce schéma, c'est de la gauche vers la droite, c'est le temps. Ce sont les années, je ne devrais pas dire les années, je devrais dire les semestres. Une fois encore, nous avons un cursus semestrialisé. Première entrée au sein de l'établissement, eh bien, c'est après le baccalauréat. Et après le baccalauréat, on intègre un cycle de formation qui s'appelle le tronc commun. Le tronc commun vise à
construire les fondations de la maison ingénieur, quelle que soit la spécialité choisie après, la mécanique, l'informatique ou l'énergie, de manière résumée, c'est vraiment ce tronc commun. Ce que n'est pas le tronc commun, ce n'est pas une classe préparatoire. Le tronc commun n'est pas une classe préparatoire. C'est-à-dire, on cherche à mettre l'ensemble des apprenants dans la posture de l'élève ingénieur et du futur ingénieur dès le début des études. C'est pour cela que l'on a un cursus en 5 ans et pas un cursus avec une classe prépa intégrée qui serait là-dedans. C'est-à-dire, il y a des éléments, des attributs qui sont communs, bien entendu. Faire un peu de maths, beaucoup de mathématiques, de la physique, de la chimie, l'informatique, mais pas que. On va travailler les langues, on va travailler un certain nombre d'enseignements qui font partie de la complétude de la formation d'ingénieurs. Et puis, dès ce tronc commun, d'être exposé à la future vie professionnelle qui est l'entreprise, et donc dès le tronc commun, un an après le baccalauréat, d'avoir un premier stage obligatoire en entreprise, ce qu'on appelle le stage ouvrier, stage d'opérateur, pour découvrir l'entreprise et la réalité de l'entreprise. À l'issue du tronc commun, si la personne satisfait les minima requis, vous doutez qu'il y a des conditions pour poursuivre bien sûr la suite. Si les conditions ne sont pas toutes réunies, ce sera un semestre supplémentaire. Donc au lieu d'avoir 4 semestres, ce sera un cinquième semestre supplémentaire pour réunir ces conditions. C'est de poursuivre et de poursuivre en cycle ingénieur. Et là, on doit choisir une spécialité. Et parmi les 9 spécialités que j'évoquais précédemment, de choisir 9 spécialités. De préciser, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de notion de classement. Donc, dès l'instant où une personne satisfait les minima requis, la personne peut accéder à la spécialité de son choix. À l'inverse d'autres écoles en France, où il y a une notion de classement, et on va poser la question au premier. Et puis, les personnes qui ne sont pas... Les personnes en tête de classement, bien entendu, ont tous les choix. Et puis, les personnes qui sont un petit peu plus loin dans le classement ont le choix qui reste. Et on avait intégré l'école pour faire de la mécanique. Et on dit, non, tu ne vas pas faire de la mécanique. Bonne nouvelle, tu vas faire de l'électricité. Ce n'était pas forcément le projet professionnel. On n'a pas cette logique-là, j'allais dire, à l'UTBM, aucunement. Et donc, de partir pour 6 semestres de formation d'ingénieur, et c'est là où il y a un flux d'étudiantes et d'étudiants qui rejoignent, donc qui rentrent dans l'établissement pour 3 ans, après 2 années, un diplôme dans l'enseignement supérieur, une fois encore classe préparatoire, BUT, DUT, etc. etc. Et sur les 6 semestres que dure le cycle ingénieur à proprement parler, 2 semestres seront entièrement consacrés à l'expérience professionnelle en entreprise avec 2 stages obligatoires. Le premier dans la posture de l'assistant ingénieur et le second en fin de cursus, le projet de fin d'études où c'est de mettre l'apprenant vraiment dans la posture du métier d'ingénieur. Dans des entreprises en France, dans des entreprises à l'étranger, les autres semestres étant des semestres académiques dans l'établissement ou dans des établissements partenaires. Au maximum, je reviens sur l'international, sur 5 années d'études, il est possible de passer 4 semestres, c'est-à-dire 2 ans à l'étranger, dans différentes universités, différentes entreprises. Nous avons quelques étudiantes et quelques étudiants, nous les nommons les Globetrotters, qui utilisent cette possibilité-là. Et le projet de fin d'études, ce n'est pas une fin en soi, le diplôme d'ingénieur. Enfin, c'est la fin de quelque chose, mais surtout le début d'une aventure dans le milieu professionnel, ou alors en poursuite d'études également. Nous avons un certain nombre de diplômés qui poursuivent cette fois-ci à nouveau pour 3 années supplémentaires d'études pour préparer un doctorat en sciences et ainsi être docteur et ingénieur dans différents domaines de spécialité. Voilà, décrypter de manière accélérée le cursus. Pour toute question plus précise, il y a plusieurs stands, notamment le stand du tronc commun, l'accès juste à l'issue du baccalauréat, stand international sur les conditions internationales, stand des relations avec les entreprises, s'il y a des questions qui se font jour concernant les stages. Ce qui est important peut-être de retenir, en tout cas je martèle le propos, nous n'avons pas de cursus préétabli et nous cherchons, dans toute la mesure du possible, dans le respect d'un certain nombre de règles, de pouvoir construire le cursus de l'apprenant
au regard du projet professionnel. C'est pourquoi on ne cherche pas à avoir des consommateurs d'ordre court, aucun intérêt, est très dangereux avec l'approche que l'on a, mais des personnes qui soient vraiment acteurs, actrices de leur formation. Je martèle le message, hein, on construit le parcours, donc réfléchir sur l'engagement professionnel. Et puis la formation d'ingénieur, et à l'UTBM, ce n'est pas uniquement d'être dans des salles de classe, hein, c'est de se construire en dehors de la salle de cours, notamment en encourageant l'engagement associatif. Nous avons des associations, je crois, dynamiques, professionnelles, impliquées, qui proposent une très large palette d'activités en dehors des cours. Plus de 60 activités culturelles, artistiques, technologiques, sportives, etc. au travers de deux associations. Elles ont un stand juste dans le hall d'entrée de l'établissement. Je ne peux là aussi que vous encourager à aller leur rendre visite. Voilà, pour découvrir également cette offre qui est extrêmement riche, pour ne pas dire foisonnante, au sein de l'établissement. Et puis, nous encourageons, nous reconnaissons celles et ceux qui sont engagés au travers de plusieurs statuts, en fait, plusieurs statuts, et ces statuts sont inscrits, et cet engagement est inscrit au supplément au diplôme. Il y a deux éléments, il y a le parchemin, je suis ingénieur, et puis il y a le supplément au diplôme, qui est un document qui va donner toute la richesse du cursus. Et donc, nous reconnaissons plusieurs formes d'engagement pour nos élèves ingénieurs et les valorisons pleinement et officiellement au travers du supplément au diplôme. Et par exemple, des élèves ingénieurs qui sont entrepreneurs et en parallèle de leurs études, eh bien, commencent à travailler, à réfléchir, et plus que réfléchir, à travailler, eh bien, à leur future entreprise, parce que veulent être créateurs d'entreprise. Ça, c'est un statut qui est reconnu. Statut d'étudiant salarié, statut d'étudiant engagé dans la vie associative. Bref, tout ce qui peut enrichir un cursus et en fait permettre d'acquérir des compétences supplémentaires. Alors, toutes ces informations sur les stands, et puis je ne doute pas que vous avez toutes et tous... Voilà, le dépliant, le catalogue qui essaie de donner un maximum d'informations sur les formations et sur l'établissement. J'ai parlé de formation d'ingénieurs et nous sommes à l'UTBM. Le U d'UTBM, c'est université. Donc la question, mais l'UTBM, c'est une école d'ingénieurs ou c'est une université? Les deux. Et il y a très peu d'établissements en France qui sont tout à la fois école d'ingénieurs et université. Nous sommes une école d'ingénieurs parmi les 204 que compte le pays. Et à ce titre, nous faisons partie de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, comme les 203 autres écoles d'ingénieurs. Au passage, nous sommes également grande école. Grande école, et nous faisons partie de la conférence des grandes écoles. 237, 238 établissements en France, se répartissant certaines écoles d'ingénieurs d'une part et des écoles de commerce d'autre part. Donc nous sommes également membres de la conférence des grandes écoles. Et nous sommes l'une des plus petites universités du pays. Le pays compte 68 universités et les 3 universités de technologie figurent parmi en taille les plus petites universités. Mais nous sommes également universités, nous faisons partie également, nous sommes membres de la conférence des présidentes et des présidents des universités françaises qui s'appelle France Université. Donc une fois encore, il y a très très peu d'établissements qui possèdent ces caractéristiques. Ça a plusieurs implications. Nous diplômons, l'essentiel de nos diplômes sont des diplômes d'ingénieurs, mais pas que. Nous avons des diplômes de master également. Nous diplômons des docteurs en sciences. Et même un diplôme après le doctorat qui s'appelle l'habilitation à diriger des recherches. Donc ça, c'est vraiment des attributs des universités, hein, le diplôme de doctorat. Et puis d'autres diplômes que nous proposons qui s'appellent des diplômes d'université. Ce sont des diplômes généralement sur une période un petit peu plus courte, habituellement une année, et sur des points très, très spécifiques. Soit de manière complémentaire aux formations d'ingénieurs, soit nous avons des étudiantes et des étudiants qui nous rejoignent pour suivre ce diplôme d'université. Donc tout à la fois école d'ingénieurs, grande école et université. Alors quelques chiffres, rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres. Je
même pas vous questionner, vous interroger, savoir, mais 2700, le nombre donc d'étudiantes et d'étudiants dans l'établissement. 400, eh bien, c'est le nombre de personnel qui se répartissent en 200 enseignants, enseignants-chercheurs et 200 personnels techniques et administratifs. Des personnels techniques et administratifs qui accompagnent également nos élèves sur les plateformes pédagogiques, qui accompagnent les enseignants-chercheurs dans les laboratoires de recherche. Et puis, il y a aussi une machinerie, une machine UTBM à faire fonctionner tous les jours, donc qui sont également dans un certain nombre de services support. 42, c'est en millions d'euros le budget annuel de l'établissement pour accomplir nos missions. Et 18 000, si je veux quand même vous poser la question concernant les 18 000, je ne vais pas plus loin tant que vous n'avez pas répondu à la question, de toute façon. Ah, ben il y a même quelqu'un qui tente là. Pardon ? C'est le nombre de diplômés. Vous avez raison, effectivement. 18 000 ingénieurs sont diplômés depuis que l'établissement existe. Majoritairement des ingénieurs, mais quelques milliers de masters et quelques centaines de docteurs et qui poursuivent aujourd'hui leur carrière professionnelle partout en France. De rappeler, hein, une fois encore ici, nous sommes dans l'est de la France, 3 sites, Belfort, Sevenan, Montbéliard. Faisons en sorte d'organiser les formations et les cursus de sorte à ce que les élèves n'aient pas à faire des déplacements, j'allais dire quotidiens, d'un site à un autre. Par exemple, ce qui ne veut pas dire que les personnes ne sont pas amenées parfois de se rendre sur un autre site, mais de ne pas le faire de manière quotidienne et de limiter au maximum ces déplacements, de bien entendu. Cycle de formation du tronc commun ici sur Sevenan. Les formations d'ingénieurs en lien avec la mécanique, l'ingénierie, le génie industriel ici sur Sevenan, l'énergie et l'informatique qui font très bon ménage sur Belfort, et l'ergonomie mécanique qui est localisée sur le campus de Montbéliard. Voilà pour tout vous dire. Et puis cette carte me permet également de repartager les autres universités de technologie. Alors, jusqu'à très récemment, 3 universités de technologie en France, Compiègne, 3 Belfort-Montbéliard. 3 Belfort-Montbéliard étant, comment le dire, les filles de Compiègne. Hein, et Compiègne a essaimé des antennes. C'est comme ceci que les établissements se sont développés. Et puis, depuis peu, c'est depuis novembre dernier, à Tarbes, donc on est vraiment dans le sud-ouest, 4e université de technologie qui vient d'être créée à la fin du mois de novembre 2023. Je ne vais pas être très long, mais j'aimerais m'arrêter quelques instants sur la technologie. Je disais, on utilise le terme « la technologie », le terme au singulier. Singulier pour montrer déjà la globalité ou la totalité de la technologie, et jamais au pluriel ou l'adjectif technologique qui renvoie une fois encore à ce qui serait uniquement des techniques de pointe. On utilise des techniques de pointe, mais pas que. Nous ne sommes pas des fervents partisans de l'hypertechnologie. Nous cherchons à former les ingénieurs à utiliser la juste technologie au juste pour répondre aux besoins, pour répondre à l'usage. Inutile de concevoir, imaginer, fabriquer un rouleau compresseur aussi sophistiqué soit-il, si l'objectif est d'écraser 3 noisettes. Ça, c'est un gâchis de technologie et ce n'a aucun sens d'utiliser ceci. Donc nous ne sommes pas, même si nous utilisons de la haute technologie, nous ne sommes pas des fervents partisans, voilà, ou des défenseurs de l'hypertechnologie, absolument pas. La technologie à son juste niveau. Et la technologie, pour donner une définition, mais finalement, la technologie, c'est la science. Et la science, dans l'ensemble de sa, j'allais dire, des champs scientifiques, mais c'est le nom de la science, et on change ce nom pour la technologie, lorsque l'on utilise la science pour adresser, développer les produits, les objets et les procédés de l'industrie humaine. On fait de la science pour comprendre le monde et on fait de la technologie pour façonner, pour fabriquer le monde que l'on est. Mais finalement, c'est la science, ce qui veut dire qu'une formation d'ingénieur, en particulier, je crois, à l'UTBM, on va être très large dans l'enseignement, puisqu'il faut
tous les domaines scientifiques, si je puis le dire, pour pouvoir faire de la technologie. On ne confond pas technologie avec technique. On ne confond pas la sociologie avec la société. La sociologie, c'est la science, la société, c'est l'objet d'étude. Eh bien, la technologie va étudier et va travailler sur les objets de l'industrie humaine. Ce qui veut dire, découlant de cette définition, ce que nous essayons de donner comme caractéristique à nos ingénieurs diplômés, première caractéristique de dire, eh bien, nous cherchons à former des technologues, de bien entendu, sachant que, d'après ce que je viens de dire à l'instant, technologue n'est pas un super technicien, quelqu'un qui connaîtrait les techniques de pointe et qui ne connaîtrait que les techniques de pointe, c'est-à-dire d'avoir que des enseignements technoscientifiques uniquement, c'est beaucoup plus que cela. Et ingénieur technologue, au contraire, eh bien, c'est de pouvoir appréhender les faits techniques, qui sont des systèmes complexes, toujours, au travers de plusieurs prismes. Et pouvoir les étudier, bien entendu. On va faire de la science, on va faire de la technique, mais on va utiliser également des prismes sociétaux, prismes sociétals. Quel est l'usage? Quelle est la finalité? On ne va pas faire de la technologie pour faire de la technologie. Il n'y a aucun sens, aucune valeur à cela. De plus en plus, bien entendu, le prisme environnemental. On peut avoir l'idée géniale, mais si l'idée géniale a quelques désagréments qui vont aggraver encore la situation que l'on connaît, il n'y a aucune valeur ajoutée à le faire. Donc, c'est vraiment d'avoir cette approche qui est tout azimut, en tout cas. Et nos ingénieurs ne sont pas que des super techniciens, c'est-à-dire qu'ils feraient de la techno pour la techno sans se préoccuper de la finalité dans le contexte dans lequel s'inscrit leur activité. Et puis, j'aime à dire également, cherchons à former des ingénieurs humanistes. Foucault disait, des ingénieurs humanistes sont des ingénieurs à même de savoir, de pouvoir articuler, de comprendre l'articulation entre le dur et le doux. Le dur, c'est la matière, c'est l'objet, c'est la machine. Le doux, eh bien, le doux, c'est nous toutes et tous, hein, c'est l'humain. Et donc, des ingénieurs humanistes, c'est-à-dire ayant la conscience la plus élargie possible au regard des problématiques, des défis, des enjeux de la société. Une conscience élargie également de leur responsabilité au regard de la société, et de donner, c'est à même de pouvoir donner un sens, eh bien un sens à l'activité d'ingénieur, et une fois encore, de ne pas faire de la technique pour faire de la technique. Alors ça a des conséquences, ce ne sont pas que des mots qui apparaissent à l'écran, il y a des conséquences très pratiques, et très pratiques dans les maquettes pédagogiques. Et à l'UTBM, 20 à 25% du temps, c'est quand même un volume horaire qui commence à devenir substantiel, est dévolu à des enseignements en sciences humaines et sociales. Et les 75% du temps restant à des enseignements en lien avec les sens pour l'ingénieur. Mais d'avoir une attention particulière par rapport à ces enseignements, on les appelle au sein de l'établissement les humanités ou les enseignements en humanité. Ce sont bien sûr les langues. Mais la finalité de l'apprentissage d'une langue, ça n'arrête pas à apprendre le vocabulaire et la grammaire. Hein, c'est aussi de découvrir, de comprendre la culture, l'économie, etc. d'un pays, de la langue que l'on apprend. Et vous voyez réapparaître les langues que nous enseignons. Il y a un certain nombre d'autres enseignements, sciences humaines et sociales. Alors la liste est longue, je mets sciences de gestion, l'épistémologie et l'histoire des sciences, la philosophie, nous avons des enseignements en philosophie, en philosophie des sciences, en géopolitique également, en macroéconomie, parce qu'il faut avoir, nous estimons, pour exercer pleinement les métiers de l'ingénieur, et bien d'avoir comme clé de lecture, comme clé pour décrypter l'environnement dans lequel on évolue. On ne peut pas le faire qu'avec des compétences très centrées sur la technique, mais cela nécessite d'avoir une compréhension beaucoup plus élargie, du monde dans lequel on évolue. Donc c'est le type, voilà, peut-être la signature ou en tout cas des caractéristiques que l'on cherche à donner à nos élèves ingénieurs, à nos diplômés. Je vais passer rapidement, mais il y a plein d'implications à ce que je dis. Une des implications, c'est que nous sommes un établissement intégré. Nous ne sommes pas un établissement avec une partition disciplinaire où on ferait une activité en silo,
puisque tous les problèmes de notre monde, pour pouvoir tenter d'apporter des réponses à des systèmes complexes, il faut aller piocher des compétences dans plusieurs champs disciplinaires. Donc à l'inverse des universités pluridisciplinaires, on va avoir une faculté des sciences, une faculté de sociologie, une faculté de je ne sais quoi. Tout cela est intégré au sein de l'établissement. L'élève ingénieur va faire de la mécanique, mais va faire également de la sociologie, une fois encore de la philosophie, etc., etc. Voilà, je passe rapidement, ne soyez pas frustrés, mais sur cette planche-là. Voilà, de parler également, j'ai déjà évoqué, mais nous sommes un monde en transition. Cela n'a échappé à personne, qui va connaître encore des grands bouleversements. Les métiers de l'ingénieur vont connaître de grands bouleversements également. Je vais vous donner une indication. On estime qu'à horizon 2030-2032, c'est-à-dire c'est demain, hein, 2030-2032, la moitié des métiers de l'ingénieur, puisqu'étant ingénieur, on accède à plusieurs types de métiers, la moitié des métiers de l'ingénieur sont inconnus. Alors, comment fait-on ? On essaie de donner toutes les clés, hein, à nos futurs diplômés pour avoir des capacités d'adaptation, capacités d'apprentissage, etc. Et pouvoir suivre et même anticiper ces évolutions. Mais dans ces transitions, il y en a une en particulier qui est la transition socio-écologique. Et, excusez-moi, au sein de l'établissement, bien entendu, de ne pas l'ignorer à plusieurs niveaux. Nous travaillons dans les laboratoires de recherche et dans certains cas depuis des décennies sur des activités de recherche visant à décarboner. Ce terme est apparu, on va dire, dans la sphère médiatique récemment. Pour l'établissement, cela fait depuis un petit peu plus longtemps que les enseignants-chercheurs travaillent sur un certain nombre de procédés, de techniques qui permettant de décarboner nos activités très, très explicitement. C'est également la transition socio-écologique à l'échelle de l'institution. C'est d'appliquer à nous-mêmes ce que l'on cherche à enseigner dans les salles de cours, donc dans notre fonctionnement quotidien, bien entendu. Et puis, sur le champ de l'apprentissage, partager avec vous de l'ordre de 15% à peu près de nos modules d'enseignement adressent ou en tout cas permettent d'acquérir des connaissances et des compétences en lien avec la transition écologique et que l'on souhaite devenir ou évoluer dans l'informatique, dans la mécanique ou dans le domaine de l'énergie, eh bien à chaque fois on a à conduire des actions et avoir des connaissances et des compétences au regard de cette transition. Je suis un petit peu long, un petit peu bavard, vous le découvrez, mais je suis presque à l'issue de mon propos. Je vais terminer également sur des éléments de lisibilité, de notoriété. Alors, il existe une multitude de classements, pour ne pas dire une foultitude, en sinois, en tout cas à l'UTBM en sinois. C'est difficile de décrypter tout cela. Je vais partager avec vous deux éléments de classement. Et deux éléments de classement internationaux, c'est-à-dire quelle est la lisibilité de l'établissement à l'international et pas qu'au national. Premier élément de classement, c'est le classement thématique de Shanghai. Cela envahit les ondes chaque fois que le classement thématique de Shanghai et le classement de Shanghai sort. Repartagé, il y a 83 établissements français sur les quelques 600 institutions d'enseignement supérieur que compte le pays. 83 établissements français figurent au classement de Shanghai. Parmi ces 83 établissements, il y a 10 écoles d'ingénieurs. Les noms s'affichent ici. Je me suis permis de souligner un petit peu l'UTBM. Vous connaissez le dicton, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, je vais souligner l'UTBM. Ces écoles sont classées par ordre alphabétique. Et puis, décrypter un petit peu plus pourquoi nous sommes au classement thématique de Shanghai pour deux domaines. L'ingénierie mécanique, toutes les activités en lien donc avec la mécanique, où à l'échelle mondiale, nous sommes classés dans le segment 200-300 établissement le plus performant. Et à l'échelle nationale, il y a 16 établissements qui figurent dans ce classement. Et nous sommes dans le segment 5-10 meilleurs établissements. Et puis, autre thématique, sciences et technologies de l'instrumentation. Alors, je vais essayer de décrypter un petit peu cela. C'est ce qui renvoie à nos activités dans le domaine de l'informatique, du numérique et de l'énergie. Par la même. Et là aussi, alors que trois établissements en France, nous sommes le troisième.
dire que le premier, c'est l'Université d'Orsay, de Saclay, pardon, qui regroupe 15% de la recherche française. Donc on n'a pas tout à fait la même taille. Deuxième établissement est l'Université Grenoble-Alpes, hein, toute l'activité sur Grenoble. Mais dans le segment monde, donc également dans le segment 200-300. Ça ne rend pas meilleur. Hein. Je ne vous présente pas ce classement pour avoir les gros bras. Ça ne rend pas plus intelligent non plus. Hein. Faut prendre la mesure. Ça permet d'avoir une jauge, d'avoir un diagnostic, en tout cas, et de se confronter à la réalité. À la réalité. Et la réalité, c'est les 20 000 et quelques universités qui existent dans le monde, et savoir à peu près où on se positionne. Et puis un autre classement, c'est le classement mondial des universités. Il y a un peu plus de 20 000 établissements dans le monde. Ça, c'est un classement qui va prendre en compte à la fois l'activité de recherche, sa pertinence, sa lisibilité, et puis l'excellence en formation. Et à l'échelle mondiale, nous sommes 1499e sur ce classement-là, hein, qui est très large. Et puis là, je ne vais pas dire que la compétition là est rude, mais il y a du monde en tout cas sur la ligne de départ. Je peux que vous encourager. Toutes ces données sont disponibles sur Internet, d'aller regarder un petit peu plus en détail, y compris les institutions françaises, les institutions européennes. Et voilà, et dans ce classement, sur les 600 et quelques institutions qui existent en France, l'établissement, tout type d'institution d'enseignement supérieur, l'établissement se positionne à la 60e place, la 60e place nationale. Voilà, je ne serai pas plus bavard sur l'établissement. Si vous avez des questions d'ici un instant, bien entendu, nous pouvons prendre quelques instants pour y répondre. Un petit propos de conclusion. Je disais il y a quelques instants que cela, nous sommes un établissement sélectif. Et j'ai essayé de vous donner la raison, la motivation pour laquelle nous procédons à une sélection. Je me permets d'ajouter quelque chose. Si nous sommes un établissement sélectif, nous ne sommes pas un établissement élitiste. 30% de nos étudiantes et étudiants sont boursiers de l'enseignement supérieur. Sélectif, mais pas élitiste, d'une part. Donc, je ne vous fais pas la promesse cet après-midi, si vous déposez un dossier à l'UTBM, que vous serez reçu, que vous serez intégré. Par contre, je peux vous faire une promesse et vous donner une indication. Tous les diplômés de l'UTBM ont déposé un dossier dans l'établissement. Donc, vous dire si... voilà, doser, en tout cas doser si... les éléments, c'est-à-dire un peu la signature que l'on cherche à donner à nos formations d'ingénieurs, à nos ingénieurs diplômés, résonnent pour vous. Si le fait de pouvoir adapter son cursus au regard de son projet professionnel résonne également, a un sens, un intérêt, ce n'est pas un système, d'être très explicite, ce n'est pas un système nécessairement qui convient à toutes les personnes. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave. Hein, mais si ces éléments sont attractifs pour vous, ou vous semble pertinent, de vous encourager, d'oser déposer un dossier de candidature, bac ou bac plus 2. Je vous avais parlé de trois séquences. Nous arrivons à la troisième séquence. Ce sera un petit film également. Il ne dure pas très longtemps. Nous avons tous les ans une remise des diplômes. Elle survient au mois de novembre habituellement. Et donc, nous avons demandé à de jeunes diplômés ou fraîchement diplômés, voilà, de partager de témoigner en tout cas. Donc, ce sont des témoignages de diplômés, en vous rappelant peut-être que j'évoquais, notamment sur la dimension internationale et sur l'importance de l'international. Témoignages de diplômés en une minute et quelques. Today is a big day for us. It's the graduation ceremony. It's the achievement of 5 years of hard working, staying late at night. It's the end of something and the beginning of something new. So yeah, it's a bit emotional, but it's nice. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans un moment de solennité et de célébration. We are
finally, officially engineers. It's done. It's over now. My family is here, my grandparents came, and yeah, I'm really grateful. Les 6 ans qu'Emilie a passé ici ont montré qu'ils étaient à l'écoute et des étudiants et du monde de l'entreprise. Et ça a vraiment été un bienfait. Cycliste professionnel, à partir du 1er janvier l'année prochaine, c'est la tête et les jambes, hein, l'UTBM. Really cool to receive my degree today with some friends. Aujourd'hui, voilà. C'est le diplôme d'Alger et pour nous, c'est une grande, grande fierté. Une très belle école, je trouve, et bravo. So I'm a little bit sad, but I'm very happy about the future. A lot of possibilities, a lot of opportunities, so it will be nice. C'est moi qui l'ai incité justement à venir faire la formation A2I à l'UTBM. Je suis vraiment fière. Merci. UTBM is a modern university. You have quite a brilliant program which is normally, I would say, targeted based on professional world expectations of an engineer. It's really a great environment to grow and to study in. I think it is the best institution since I'm here in France. There are a lot of memories, but I can say that last year I did an exchange semester in the Netherlands, and it was one of my best experiences. The whole work that we have done during the COVID-19 crisis. I would say that I had a lot of friends from a lot of cultures. At the end of the semester, you feel quite busy about the different projects, and that's really, really good memory. In few words, UTBM, it is innovation. A way to discover the world, if you want to. Brotherhood. Human. Open-minded. Pride. Friend. And happiness. I will stay classic and I will stay powered by technology. Merci l'UTBM et que vivent les ingénieurs de demain. Tu dirti l'UTBM. Merci l'UTBM. Bit me pima tundo na UTBM. Obrigado UTBM e viva os engenheiros do amanhã. Gracias a la UTBM. Inshallah que el ingenier vicuno de min. Que viva la UTBM e gracias para todo. Para los ingenieros de mañana. Gracias. Voilà, c'était quelques témoignages d'étudiantes et d'étudiants à l'issue du diplôme. Cela conclut mon propos. Si vous voulez prendre quelques instants et si vous avez des questions, bien entendu, d'y répondre avec plaisir. Vous encouragez, mais vous l'avez très certainement déjà fait, de visiter l'ensemble des stands, et pas uniquement les stands des formations, mais tout ce qui fait le quotidien et l'organisation de l'établissement. Auriez-vous, quelqu'un souhaiterait poser une question, deux questions? Ce n'est pas grave. Il n'y a manifestement pas de questions. Ben, il me souhaite de vous remercier une fois encore pour votre présence parmi nous aujourd'hui et de vous souhaiter une belle fin de journée parmi nous. Au plaisir. Ah, il y a une question. Alors, éventuellement. Alors, il y a des possibilités, puisque nous sommes trois établissements, effectivement, et trois établissements en mode coopératif, et nous ne proposons pas, les trois UT ne proposent pas, j'allais dire, les mêmes spécialités nécessairement. Donc, il existe des passerelles. Les passerelles, cela dit, il n'y a aucun caractère d'automaticité. Et c'est sur les équipes pédagogiques qui vont décider de prendre une personne d'un établissement ou d'un autre établissement. Il y a possibilité également pour des semestres de passer un semestre d'études, et nous accueillons et nous avons des étudiantes et des étudiants partant pour un semestre. Par contre, ce que nous n'aimons pas, c'est de dire je vais essayer de rentrer dans un établissement pour partir tout de suite dans un autre établissement, c'est-à-dire d'introduire un biais. Et nous regardons donc au moment de l'analyse des diplômes, quand on dépose un dossier dans le groupe UT, hein, puisque c'est un recrutement commun, mais il y a des vœux à formuler. Et si l'on veut aller à Compiègne, par exemple, je ne peux qu'encourager de mettre en un Compiègne,
et pas mettre en un l'UTBM en se disant je vais quand même rejoindre la Compiègne, ça ne fonctionne pas très bien. Et si l'on veut suivre des formations d'ingénieurs à l'UTBM, d'encourager également de positionner en 1 l'UTBM. En d'autres termes, nous allons avoir déjà une première attention pour les personnes qui ont formulé un vœu 1 pour l'établissement. Et puis, nous étudions dans un second temps seulement les personnes qui ont émis un vœu 3 pour rejoindre l'UTBM. Mais je crois que cela peut être compréhensible et de vous dire que Troyes et Compiègne procèdent exactement de la même manière. Mais il est possible, notamment à l'issue du tronc commun, pour des spécialités qui n'existent pas, j'allais dire, dans l'établissement, mais dans d'autres établissements, de le faire. C'est ainsi que nous accueillons, nous sommes le seul établissement à une formation d'ingénieur en énergie parmi les 3 UT, et je pense à Compiègne, à une formation d'ingénieur en génie biologique, et la seule UT à avoir une formation d'ingénieur en génie biologique. Donc ces passerelles-là existent. Modulo, le fait que nous avons une attention sur... sur les biais que cela peut introduire, mais explicitement c'est possible. Alors la question, merci pour toutes vos réponses, mais la question que je pose, c'est en fait par rapport à un enfant justement qui a du mal à se positionner parce qu'il est intéressé par plein de choses, et un de vos collègues me disait que pour pouvoir aider justement à positionner, parfois vous organisiez différents séjours dans les différents centres, et c'est plutôt par rapport à cette question-là, c'est pas toujours évident. Voilà, quand on est intéressé par plein de choses. C'est pas toujours étudiant, tout à fait. Et le tronc commun est fait pour cela. C'est-à-dire, quand je parlais de projet professionnel, c'est un projet à long terme d'avoir une réflexion, mais on ne demande pas, donc ça c'est le recrutement au niveau du baccalauréat, de choisir d'emblée sa spécialité. Parce qu'on peut être effectivement intéressé par plusieurs types de spécialités. Et donc on va avoir durant 2 années des enseignements qui sont communs, d'où le tronc commun, qui permettront d'accéder à l'entièreté des formations au sein de l'établissement, mais également d'avoir connaissance des formations dans les autres UT, et il y a 2 ans pour mûrir ce projet, en ayant de toute façon les fondations de la maison ingénieur, quelle que soit la spécialité, des éléments communs. Et tout le monde va faire un peu de mécanique, tout le monde va avoir va faire de l'informatique, tout le monde fait des mathématiques, de la physique. Et donc il y a 2 ans pour mûrir le choix de la spécialité. Par contre, à l'issue du tronc commun, et la place est garantie. À l'inverse, une fois encore, d'autres écoles où il y a des notions de classement, on rentrait pour faire de la mécanique et puis on dit ben, ce sera électricité ou rien. Ce n'est pas le cas dans les UT. Dès l'instant, à l'issue du tronc commun, où les minima sont atteints, j'allais dire, une place dans quelques spécialités que cela peut être est garantie à toute étudiante, à tout étudiant. Je ne sais pas si je réponds à... Oui. Donc il y a ces 2 premières années, elles sont là pour cela, de construire les fondations, je prends cette image, et puis d'affiner, de mûrir son choix, parce que vous avez raison, on peut avoir, ce n'est pas évident de choisir, vous connaissez le dicton, choisir c'est renoncer, et ce sont des choix qui sont très dimensionnants pour la suite de sa carrière professionnelle, en effet. Et alors quand on est intéressé par... du génie industriel, de la mécanique, mais aussi de l'aéronautique. Qu'est-ce que vous conseilleriez ? Alors l'aéronautique, il y a 2 éléments. Il y a quelques écoles spécialisées en aéronautique en France qui sont essentiellement sur une base de mécanique pour l'essentiel. Mais sinon, ici à l'UTBM, la mécanique est un champ d'application. Et on peut faire de l'aéronautique en faisant de la mécanique, on peut faire de l'aéronautique en faisant de l'énergie, parce qu'il y a besoin d'énergéticiens également, et même de l'aéronautique, c'est peut-être moins trivial, mais nous avons des exemples, puisqu'il y a besoin également d'informatique. Et là, c'est de choisir la spécialité de son choix, et peut-être au travers des stages notamment, de pouvoir plutôt choisir des entreprises dans le domaine de l'aéronautique, et de ne pas vous cacher, nous avons beaucoup de contacts avec les entreprises françaises de l'aéronautique, comme elles l'ont avec toutes les écoles d'ingénieurs, puisqu'il y a un besoin en recrutement d'ingénieurs. Vous voyez, l'aéronautique est le champ d'application des compétences d'une personne ingénieure en mécanique, en énergie ou en informatique concernant l'UTBM. Et donc, au travers des stages, d'avoir des stages en entreprise et de chercher à acquérir une expérience dans le secteur d'activité de l'aéronautique et puis d'y faire sa carrière.
Ça a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui partent sur Paris, qui partent sur Toulouse, qui partent sur Bordeaux, qui partent sur Marseille. Marseille pour les hélicoptères, Toulouse pour les avions de ligne, Paris pour les moteurs d'avions notamment, et puis Bordeaux sur des parties plus, on va dire, plus militaires en champ d'application. Mais on peut le faire une fois encore et faire du génie industriel, d'être sur les chaînes de production ou d'être en ingénieur mécanicien et d'être plutôt, je caricature un peu, mais en bureau d'études en tout cas en début de carrière. Donc c'est compatible tout à fait. Donc c'est tout à fait compatible. Et entre le domaine d'activité et la spécialité, c'est-à-dire les compétences, mais avec des compétences en mécanique, on pourra aller dans le médical, on pourra aller dans l'industrie des transports et dans multiples autres industries. Ce sont les domaines dans lesquels on pourra évoluer au long de sa carrière avec les mêmes compétences de départ. Par contre, le choix auquel il faudra consentir et procéder, c'est effectivement, est-ce que c'est du génie industriel, est-ce que c'est de la mécanique, est-ce que c'est de l'énergie ou est-ce que c'est de l'informatique. À l'issue des 2 années, il faut procéder à ce choix. Il y a des visites, des formations, des visites des laboratoires, des rencontres avec des anciens pour essayer d'objectiver, si je puis le dire ainsi, au maximum les choix, qui sont des choix très dimensionnants et qui ne sont pas triviaux. Nous en sommes bien conscients. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas rentré suffisamment et merci à vous de poser la question. Oui, de vous confirmer, en fait, on n'a pas d'épreuves de mathématiques. Je fais une petite introduction ou d'épreuves sur table en d'autres termes. C'est-à-dire, on ne cherche pas tant à estimer si les têtes sont déjà bien pleines. Ça, c'est notre travail aussi de les remplir. On cherche à estimer si les têtes sont bien faites, équilibrées, avec du tempérament, avec de l'engagement. Et pour ce faire, on procède par deux étapes au moment de la sélection. Une étape, j'allais dire, sur dossier, avec l'importance, je reviens pas que, mais l'importance de la lettre de motivation. Et puis pour les personnes qui passent cette étape-là, il y a un entretien avec des psychologues et un entretien en groupe pour essayer de déceler d'autres aptitudes et aptitudes à pouvoir interagir dans un groupe. Donc sans être étouffé par le groupe et sans étouffer le groupe. Donc c'est cette deuxième phase d'entretien et à l'issue de laquelle il y a la sélection fine en présentiel, il y a la sélection finale si je puis dire et puis des listes complémentaires qui sont établies. Donc deux étapes, mais une fois encore pas d'épreuve sur table. On ne fait pas passer de test d'anglais, il y en a les résultats de première et de terminale, donc les résultats scolaires. Donc là, on va étudier finement ces résultats. Mais dossier, premier filtre au travers du dossier, et puis second filtre au travers des entretiens. D'autres manifestement non. Eh bien, encore une fois, merci à vous, et puis belle fin d'après-midi avec nous. Merci.